pour retracer l'histoire de la Terre, les géologues disposent de précieux indices, les fossiles. Les fossiles sont les traces, piégées dans la roche, des êtres qui vivaient aux premiers âges de la Terre. Ce sont aussi bien des vestiges de plantes que des restes d'animaux. Un fossile se forme lorsqu'un organisme meurt et que les parties dures de son corps, comme les os ou la coquille, sont ensevelies sous des couches de sédiments. En durcissant, les sédiments conservent la forme de ces parties dures. Après des millions d'années, des mouvements géologiques ou des fouilles peuvent ramener le fossile à la surface. L'étude d'un fossile fournit de très nombreux renseignements sur le passé de la Terre. Un fossile peut permettre de dater la roche dans laquelle il a été piégé. Il donne une idée des conditions climatiques qui régnaient à l'époque et il permet aussi de retracer l'évolution des espèces. Les transformations qu'a connues la Terre depuis la formation des premiers continents sont datées par les géologues à l'aide d'une échelle des temps géologiques. L'ère géologique la plus ancienne s'appelle le Précambrien. Les premiers organismes vivants, de taille microscopique, sont apparus pendant cette période, il y a environ 3,5 milliards d'années. Au Cambrien, il y a quelque 550 millions d'années, les invertébrés sont déjà nombreux dans les eaux peu profondes de la planète. Pendant l'Ordovicien, il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés, des poissons sans mâchoire, commencent à prospérer. Ce n'est qu'au Silurien, 100 millions d'années plus tard, que les premières plantes terrestres se développent. Le Dévonien est l'âge d'or des poissons. C'est aussi pendant cette période que des animaux amphibiens, ainsi que les premiers insectes, s'aventurent sur les continents. La période suivante, appelée Carbonifère, date d'environ 300 millions d'années. D'épaisses forêts se développent et les premiers reptiles apparaissent. Le Permien est dominé par les reptiles, terrestres et aquatiques. Il s'achève par la plus grande extinction de l'histoire de la Terre, il y a 250 millions d'années. Le Trias, qui lui succède, voit l'apparition des dinosaures. Ces animaux, dont certains atteignent des tailles gigantesques, dominent les aires jurassiques et crétacées. Il y a environ 65 millions d'années, les dinosaures s'éteignent brutalement, comme les trois quarts des espèces végétales et animales. Ces extinctions marquent le début de la période dite tertiaire, qui voit l'apparition des oiseaux, descendants des dinosaures, et la domination des mammifères. De nouvelles espèces voient alors le jour, notamment les premiers grands singes, comme le proconsul. La période quaternaire, qui commence il y a 1 600 000 ans, est ponctuée par plusieurs glaciations. Cette période est marquée par l'apparition de l'homme moderne, il y a environ 100 000 ans.